Quand j'étais petite, j'étais souvent triste. C'était dur, je n'aimais pas être sourde. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai suivi l'école normale. Après, je suis allée dans une école spécialisée. Et par exemple, à 10 ans, grâce à la LSF, la langue des signes français, j'ai eu des amis. C'était assez simple. Je l'ai apprise à l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds, avec des professeurs, et c'était quand même long. Moi, quand j'ai voulu une voiture, et je la voulais vraiment, rapidement, je m'en suis acheté une. Avant, j'avais peur, mais maintenant, ça va. Je ressens les vibrations à travers mon bras. Comme je n'entends pas, je perçois les tremblements de la voiture grâce à sa vitesse. En plus, je ne peux pas téléphoner. Alors, elle me sert à aller directement où je veux. Au travail avec les autres personnes, nous nous écrivons afin de pouvoir communiquer. Mais il m'arrive aussi de lire sur les lèvres. Je m'occupe de ranger les livres à la médiathèque. Parfois, le public vient vers moi. Moi, je sais que le nombre de 100 regroupe les livres religieux, 700 sur la peinture. Oui, les personnes peuvent avoir besoin de ce genre d'informations. Avant, j'avais déjà appris à taper à la machine, et maintenant, c'est ce qui me permet de continuer, ici, avec les livres. Je peux aussi couvrir les ouvrages. Il faut juste faire attention de ne pas se brûler. Je connais une fille qui sait la LSF, là-bas à la Massif. Mais ici, à Aruba, c'est plus difficile. Je dois écrire avec les personnes de la mairie ou de la banque. Les personnes sourdes font de grandes choses. Comme par exemple Emmanuel Laborie. Le problème, c'est que les personnes entendantes ne connaissent pas la LSF. Et que les personnes sourdes ne savent pas bien lire sur les lèvres. Quand je conduis ma voiture, je trouve que la signalisation sait très bien. Mais je ne vois pas de panneau pour danser, moi qui n'entends pas.
pourtant, je serais contente de danser. Parce qu'à travers un plancher en bois, je ressens les vibrations. Le panneau dirait « twist ». Je le verrai et je pourrai danser.